Bonjour mes chouchous francophones, voilà une petite vidéo en français finalement. Bon, j'ai fait la même vidéo en anglais, portugais. Bon, maintenant c'est à vous en français. Bon, beaucoup de gens me demandent pour faire une vidéo et parler de mes chaussures. Bon, mon truc c'est pas du tout chaussures. J'ai vraiment des chaussures que j'utilise pour mes numéros et pour la salle. Et basta, c'est pas mon fétiche. Mon fétiche, c'est vraiment les perruques, comme vous voyez souvent ici dans ma chaîne, sur Instagram aussi, Facebook. J'ai beaucoup de grosses perruques, j'adore les perruques. Et bien sûr, des costumes années 60, 50, des costumes vintage. Donc, chaussures, c'est pas mon truc, mais beaucoup de gens ont demandé et je vais faire une petite vidéo et donner un petit conseil. Comment je fais quand j'achète mes chaussures de femme pour faire des spectacles drag queen, transformiste, quand la chaussure est un tout petit peu serrée. Bon, ma pointure des chaussures en femme, c'est numéro 40. Ma pointure en homme, c'est 42. Ça, c'est parce que mon pied est très très fin. Donc, pour les chaussures de femme, je dois choisir deux numéros plus petits, donc 40. Donc ça, je sais déjà, c'est toujours 40, mais 40, ils sont serrés. Ils ne sont pas trop serrés, mais ils sont justes. Pour éviter que les jours que j'ai un numéro, un spectacle, je dois rester debout toute la nuit en drag, pour éviter que j'ai mal aux pieds, quand j'achète les chaussures, quelques jours avant, je mets des chaussettes de footballeur, des chaussettes très épaisses. Et je les mets, les chaussures et je reste comme ça. Je reste dans la maison, j'essaye de, par exemple, prendre une chorégraphie, de répéter mes numéros, de faire manger, tu vois, très très tranquille à la maison. Par exemple, aussi, quand je regarde la télévision, je mets la chaussette et les chaussures et je reste comme ça, en train de regarder la télé. Fais comme ça avec les pieds, je bouge beaucoup les pieds. Quand j'essaie de marcher, je fais beaucoup de mouvements. Donc comme ça, le cuir va devenir un peu plus souple. Et les chaussures vont faire moins mal quand vous allez mettre les chaussures, le jour que vous allez mettre les chaussures. Bon, j'ai mis des bas, des danseurs aussi. Ça, c'est les bas que j'utilise quand je fais des spectacles. Et j'ai mis mon hip-pad, mon faux cul, comment on dit en français, je ne sais pas, les hanches qui donnent les formes d'un corps de sirène, d'un corps de femme. Mais voilà, ça c'est un hip-pad qui vient des États-Unis, d'une compagnie qui s'appelle Planet Pepper. Je vais mettre ici en bas dans la boîte des informations, le link. Si vous aimez bien ces produits-là, ça c'est le plus grand, le plus épais, mais ça donne vraiment la forme d'un corps de femme. Moi, je ne peux pas vivre sans ça. Donc, sur scène, j'ai toujours mon faux cul pour donner mes formes. Voilà, Planet Pepper. Je travaille avec ces gens, ça fait déjà 5 ans. C'est le deuxième que j'utilise. Bon, ça c'est le premier, mais j'ai encore un autre qu'ils ont envoyé. Donc, c'est des produits magnifiques, tu peux laver, c'est une mousse ici dedans. Et voilà, vous avez un corps de rêve. Et voilà mes chouchous, ça c'est mon petit secret. Donc, si vous avez, bon, il y a plusieurs techniques pour faire le chaussure devenir plus souple. Par exemple, il y a des gens qui mettent un sac avec de l'eau dedans et mettent le chaussure dans le frigo. Dans le freezer, ça va faire un bloc de gel, de glaçon, et ça va dilater le chaussure. Bon, il y a plusieurs techniques. Si vous avez une technique spéciale, mets un commentaire ici, raconte-nous qu'est-ce que vous faites. Ça, c'est ma technique et ça marche très bien. Donc, je danse, je fais ma chaussure devenir très souple. Et je suis très, très content. OK? Bon, mes chouchous, j'espère que vous êtes contents avec cette vidéo en français. N'oublie pas de laisser votre commentaire, de s'inscrire, s'abonner, abonner sur ma chaîne. Partagez la vidéo si vous trouvez intéressante. Et restez ici avec moi. Un grand merci pour tout l'amour que je reçois de vous.
et un super bisou et à bientôt. Thank you.